zone Kabwa avec sous savane, yo te choisi par rapport avec vulnérabilité yo, parce que c'est des zones en majorité moun yo fait agriculture pluviale. Ça veut dire que c'est là la pluie tombée moun sa yo planté. OK, donc c'est là la pluie tombée moun sa yo planté. Donc c'est une raison qui fait yo te choisi yo pour yo te aider yo pour yo montrer yo des techniques pendant yo utilise agriculture pluviale là pour capable produire bien. Bon, moi c'est cultivateur. Moi planté pois congo, planté banane, planté patate, planté toute bagaille moun manger qui capable rendre nous vivre avec madame nous petite nous qui c'est jardin ça nous fait tout qui aide nous fait indication timoun yo qui aide nous occuper normalement qui bille yo fait tout et dit tout c'est cultivateur nous fait c'est lui-même qui ba nous toute possibilité l'argent bon il fait nous plus travail nous il fait un travail plus bien parfois nous te qu'on travaille tant qu'on nous te lever jeune par nous travaille nous travaille ensemble avec eux. Nous avons fait jardin, mais il y a quelques distances, nous ne connaissons pas pour nous respecter les nappes plantées. Mais quoi, montrer nous tout ça honnête, nous avons un nombre de distances pour nous respecter les nappes plantées pour Congo, nous avons un nombre de distances pour maïs, nous avons un nombre de distances pour bananes, tout ça. Moi, je pense que le cabane est plus manger, mais je ne sais pas si je connais parce que. Premièrement, première semaine c'était banouan, c'était maïl, il pas de bon. Nous pas connait s'il t'a ban non plus, ça c'est pas de ban non plus. Après ça pour banane, il peut qu'on donner. Nous pas connait s'il t'a ban non plus, redman, c'est pas de ban non plus. Donc n'a distribué bon ça après-midi avec bénéficiaires et sous savagnon, raison hein, c'est parce que il y a des distributions de semences qui étaient faites dans le cadre de notre projet. Mais malheureusement, il y a une semence qui était semence maïa, qui n'est pas vraiment rentable. Et bon achat, ça va permettre non seulement de capable acheter des produits pour utiliser dans le jardin. Et comme nous avons une période de l'école qui a fait appauvrir tout, donc même tout, il est capable d'utiliser bon ça pour acheter des fournitures classiques pour capable de voir l'école. Le 12 janvier était passé, il était endommagé Kaila. Il était venu faire recensement et tout, ben moins Kaila. Mais moi, je suis content du fait que je suis Kaila parce que Kaila n'était pas tellement en état. Je suis en état qui est plus ou moins en état. Ça fait me content. Ça non plus manqué dans l'aide là, c'est l'aide à préparer le sol là. Nous n'avons pas de moyens économiques pour nous préparer le sol là. Ça veut dire si nous avons fait deux morceaux de jardin, trois morceaux de jardin, comme c'est mes yadés pour être nous obligés de faire un morceau, nous ne pouvons pas faire plus parce que nous ne pouvons pas avoir l'argent. Nous sommes en Haïti et par rapport dans le business surtout, même pour moi-même, information intéressée mon pile. Bon, comme dit non, moi très content pile et pour travailler ça la quoi je fais parce que lui vraiment aidé me surtout formation de recevoir yo, lui aidé moi à gérer business moi en l'autre façon. Auparavant, j'étais toujours con. Gè de produits qu'on a demandé moi pas con gain pas en mesure économique pas permettre moi pour me gagner mais qu'on a là. Par rapport au renforcement, je suis venu à Guinée, il y a quelques bagages, je suis venu à Konya, je suis venu à bon pour moi. Il y a un bagage que j'ai utilisé souvent, mais j'ai toujours aimé. J'ai utilisé la sagesse pour toujours bien accueillir les clients, les venir. Je ne parle pas ensemble avec eux, je suis venu à mettre en bas sur pour parler ensemble avec eux. Et puis tout, pour du mieux surtout, je suis venu à utiliser des techniques pour m'offrir des produits. Et puis, encore. Je suis sincère. Je suis un mauvais entrepreneur. Je suis monté pour les sous. Si je vends 20 gouttes,
Je vais monter le jour, je vais vendre à prix normal. Ça fait.